non, venez voir vous-même, non. Non, là, vous exagérez, nous avons le point, c'est évident. Vous n'avez pas le droit d'écrire ça, c'est ridicule. Mais comment j'ai pas le droit? Je suis l'auteur quand même, non? J'écris ce qui me plaît. Oh, Bob Sinclair. Mais ça fait 10 ans qu'il m'étouffe, qu'il me ronge, c'est abruti. Le jour de vengeance, il est mort. Et moi, je suis vivant. Oh, mes amis, l'air, le soleil, le sport. Vous avez pris ma boule? J'ai pris ma boule. Vous me prêtez de voleur, retirez-moi tout de suite. Mais j'ai rien dit, moi. C'est mieux ça. Les commentaires? Hein? Je vais pas me laisser marcher sur les pieds toute ma vie! Fini les travaux forcés! Je n'écris plus une ligne. La machine à écrire, à la poubelle! Je suis un homme libre! Oh, ma Christy! Christy! Oh, vous aimiez ça, les grands fauves. Je vous déteste. Comme je pense que je voulais écrire une thèse sur vous. Ça n'intéresse personne. Tout le monde s'en fout de votre thèse. Quoi? Oh! Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais quitter Paris. Je vais aller en Auvergne. Peut-être dans l'Est. Vous n'écrirez plus jamais? Plus jamais. Dommage. Il me plaisait bien, Tatiana. Moi aussi. Je n'avais qu'un étage à descendre et je me retrouvais au Mexique. Mais tout ça, c'est de votre faute. Ma faute? Eh ben oui, avec votre théorie sur Bob Sinclair, votre homme idéal. Mon idéal? Mais c'est le contraire. Moi, je n'aime que la sensibilité et la délicatesse. Un peu mon genre. Exactement votre genre. Venez. Où? Je vais m'y remettre. J'efface tout ça et je recommence. Donnez-moi un titre au hasard et je vous écris en livre en 2 jours. Ah, Christine, ce n'est plus un bouquin par mois, mais 3 par semaine. Vous préférez d'abord celui-là. Vous avez raison. Où en étions-nous? Bob Sinclair a un rendez-vous avec Carter. Ah, oui, c'est ça. Il quitte Tatiana. François. Plus de café, je vais en chercher. Oh non, mais... Si, si, je reviens tout de suite. Christine! Oh, elle n'est pas encore prête. Ah, monsieur, votre dîner, hein? Va ce soir, ça tombe mal. Ah non, vous n'allez pas nous faire trop bon. Nous sommes déjà en retard. Le temps de monter à Saint-Cloud. Bon, allez-y, j'arrive.
vous ai pris des pommes. Et puis vous n'avez plus de confiture, j'ai acheté du miel. Ah, est-ce que je suis maladroite? Excusez-moi, j'ai cassé un verre. Pas dîner? Non, je vous ai tout préparé. Il y a du café au bain-marie. Bah, vous allez où? Chez les gens. Mais chez qui? Chez votre éditeur. Charon? Vous le connaissez? Oui, enfin non. Mais depuis quand? Depuis hier. C'est à cause de ma thèse, je vous expliquerai. Il a été très gentil d'ailleurs. Oh, oui, oui, d'accord. Bon, allez, j'ai compris. Bonne nuit. Vous êtes fâché? Non. Un peu de temps pour m'habituer. Je suis un peu démodée, vous savez. Allô? Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous vous attendons. Ah, bah je viens pas. Oh non, vous n'allez pas me faire ça. Mais vous savez qui est là? Samuel Witowski. Mais c'est l'auteur de Culture et Révolution. Un génie, un précurseur. Il rêve de vous connaître. Je suis désolée. Non, je ne peux pas. Je dois me lever tôt. Bon. Comme vous voudrez. Mais je suis très déçu. Bonsoir. C'est une surprise, non? Entrez, vous ne dormiez pas, hein? Sam! Qu'est-ce qu'il y a? Sam, come on! This is Christine, whom I told you about. I got to meet you. Il reste à Paris pour deux jours, vous allez voir, il est éblouissant. La voilà ma réponse! Arrache son slip d'un geste bruitage. Voilà. Thank you.
Oh, François! Ah ben, répondez-moi, qu'est-ce que vous foutez sur les toits? Pourquoi vous m'avez laissé partir? Non, alors écoutez, vous êtes somnambule, quoi. Où allez-vous? Je sors, monsieur. C'est par là. Vous êtes censé me livrer votre roman demain matin, hein? Cherchez l'inspiration dans les gouttières. Allez travailler, mon petit Merlin. Votre pantoufle! Il a oublié sa pantoufle. Il ne peut pas travailler sans pantoufle. Chut, mais laissez-moi! Aidez-moi! Oh, la garce! La petite putain! Alors, aïe! Ah, ta perruque! Mais je m'en fous de ma perruque! François! François! Ouvrez-moi, vous avez oublié votre pantoufle! François! Foutez-moi la paix! Oh non, mais ouvrez-moi! Faut que je vous explique! Je travaille! François! Chez moi. Ah, Bob, enfin. On n'en veut pas, il est contagieux. Mais qu'est-ce qu'il a encore?